Moi, j'ai 5 chats. Ils sont adorables. Mais on voit bien qu'ils ont tous un putain de caractère à eux. Il y a l'aventurier. C'est celui qui part pendant des jours et qui revient uniquement pour la bouffe. Le râleur. Tu le caresses et il te défonce la main. Mais pourquoi tu fais ça? Je voulais juste te donner de l'amour. Ah non! Il y a aussi le pot de colle. Il te suit partout. Ah mais tu me lâches? Tu m'as suivi au boulot putain. Celui qui t'aime mais pas ta maison. Explication. J'ai un chat, hyper sympa et tout, normal, qui à chaque fois que je le vois me suit comme un pot de colle, attend beaucoup de câlins, mais il vit chez le voisin. C'est mon chat hein. Je dois aller dehors pour le voir. Où tu es? Tu te caches où le chat? Enfin, la roupilleuse. En fait, c'est un chat normal. Un chat qui ne pense qu'à manger, dormir, faire des câlins. Une question, est-ce que je suis seul à parler à mes chats? Est-ce que tu te rends compte que faire tes griffes me procure une douleur extrême? Tu comprends ou pas? Les chats, ça m'empêche de faire le ménage. Quoi? C'est vrai, je fais le ménage. Dans ce qui est de ce périmètre-là. Et bien évidemment, quand je veux refaire mon lit, le chat se couche sur le lit. Ha ha ha, merci le chat! Un chat, pour te remercier de ces croquettes et de ces câlins que tu offres, te donne en retour une offrande. Attends, mais pour lui, t'es un dieu! Ha ha! Ah, c'est une belle souris morte que voilà! Ne la glisse pas vers moi! Des fois, on me dit... Mais attends, pourquoi des chats? Je sais pas, pourquoi des serpents? Touché! Mes chats, ils adorent jouer avec un petit bout de ficelle. Mais pas aux jeux vidéo. Dommage, je me sentirais moins seul. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Mes chats, ils savent me faire comprendre quand ils ont faim. Miaou, j'ai faim. Nourris-moi. Tu es mon esclave. Nourris-moi. Sinon, tu ne dormiras plus. Putain! Il adore dérouler le PQ. Miaou. Je déroule, ça va le faire chier. On peut pas rembobiner un rouleau de PQ. Et en plus, il y a des trous. On m'a toujours dit, un chat, ça peut retrouver sa maison de loin. Alors, explique-moi, comment il fait pour louper à 3 cm, sa putain de litière! Juste au moment de faire ses besoins! Ah, sinon, quand il a pas envie pour jouer avec les petits grains et en foutre partout, là, il y a du monde! Namasté, ces chats ne te mettent absolument pas en rogne. Le chat s'en fiche de toi! Le chat, tu m'obéis! Tu descends! Tu me respectes, merde! Ils nous respectent pas parce que les Égyptiens les vénéraient. Maître Jackie Ier, je viens nettoyer votre divine litière. Ils y sont habitués, ces petits enculés. J'ai remarqué autre chose. Un chat, ça saute du deuxième étage, il va bien, tranquille. Hé, Jackie, on va bouffer du pâté! Alors que nous, on saute, on meurt. Ou alors on est grièvement blessé. Et qui c'est qui va t'aider? Pas ce connard de chat. Non, il va pas faire comme dans les films, aller chercher un docteur et puis revenir. Non. Non, il va te regarder mourir et voir si tu as des croquettes sur toi. Miaou. Merci. Le chat! Et ils en sont fiers. Mais un chat, quand c'est pas content ou quand il voit d'autres chats, qu'est-ce qu'il passe son temps à faire sur toi? Toutes les minutes, il te le fait. Oui, enfin, j'exagère un peu. Moi, j'en ai 5, donc c'est vrai que toutes les minutes, je l'entends, mais je suis pas sûr que ça vient du même. Bon, ok, je vous les ai pas encore montrés. Je vais vous les montrer. Mes chats, hein, pas mes... mes jeux de famille. Je vois que vous êtes malsains, vous, hein. Vous êtes très malsains. Bon, bah... Les voilà. Alors, si tu aimes les chats, tu peux t'abonner. Si tu m'aimes, tu peux t'abonner. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup d'abonnés de ce côté-là. Ou au moins mettre un petit pouce bleu, s'il te plaît. Et j'empêcherai Norbert de vous tuer. Hein, Norbert ?